Alors l'idée, hein, l'idée c'était d'attaquer l'histoire de France. On a fait quelques dates, c'est toujours la même chose, hein. L'idée c'est de mélanger l'histoire de France et bien sûr un petit peu de dictée, pourquoi pas. Donc comme d'habitude, je vais vous lire ces choses qui sont assez courtes, hein, et puis vous écrivez les mots qui manquent. On y va. Début de la publication de l'encyclopédie de Diderot. Début de la publication de l'encyclopédie de Diderot. Et donc c'était 1751. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, vous êtes presque 100, vous êtes presque 100, et pourtant, nous n'avons toujours pas réussi à atteindre les 100 likes. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit bouton like, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Alors, regardons ensemble, effectivement, hein, bon, pour l'instant, vous avez bien trouvé les choses que nous cherchions. Bon, la première chose, c'était début. Début, on l'écrit D-E, accent aigu, B-U-T. Le deuxième mot, eh bien, c'est un substantif, c'est publication. Publication, P-U-B-L-I-C-A-T-I-O-N. Publication. Et puis l'encyclopédie. Alors l'encyclopédie, on le met ici avec une majuscule parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc l'encyclopédie, E-N-C-Y. Souvenez-vous, Y prononcé comme un I. Encyclopédie. Donc après le Y, C-L-O-P-E. Accent aigu, D-I-E. L'encyclopédie de Diderot. Voilà. Et effectivement, je dois dire... Moi, j'ai la possibilité de danser. Voilà, comme ça, je réponds à ma question. J'ai dansé tout de suite. Merci beaucoup pour avoir cliqué sur like, c'est formidable. On continue. On continue l'exercice. Donc là, c'était 1751 et nous avançons, bien sûr, dans l'histoire de France. Et en 1789, eh bien, quelle surprise. 14 juillet, prise de la Bastille. 14 juillet, prise de la Bastille. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je regarde. Pour l'instant, ça va assez bien, effectivement. Il y a quelques libertés, hein, Julia, Cassandra. On écrit juillet un petit peu comme on veut, j'ai l'impression. Allez, 14 juillet. Donc, juillet, on l'écrit J-U-I-L-L-E-T. Hein, c'est juillet. Ensuite, c'est prise. Alors, prise, P-R-I-S-E. La prise, hein, c'est du verbe prendre, bien sûr, et Bastille, B majuscule A-S-T-I-L-L-E-N-T. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, Yossi? Yossi nous fait... Ah, on fait la circulation avec Yossi maintenant. Merci beaucoup.
Numéro 3. Numéro 3, eh ben, ça continue. Et c'est toujours en 1789. 26 août, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 26 août, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ? Je vois quelque chose. C'est l'anniversaire d'Anvi Kim. C'est votre anniversaire et je dis bravo. Et voilà, c'est important de se souhaiter son anniversaire. Vraiment bravo, j'espère que tout se passera bien pour vous aujourd'hui et que ce sera une journée formidable. Alors, continuons si vous voulez bien. Regardons les trois mots que nous cherchions. La première chose, ça n'est pas difficile, tout le monde l'a trouvé. Déclaration, D-E, accent aigu, C-L-A-R-A-T-I-O-N. Déclaration. La deuxième chose, c'est les droits, donc on le met au pluriel avec le S à la fin, D-R-O-I-T-S. Kim, Anvi Kim, non, mais non, ça n'est pas votre anniversaire, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien de dire ça. Allez, la dernière chose, eh bien, c'était le citoyen. Citoyen, et on l'écrit C-I-T-O-Y-E-N. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne sais pas. Allez, on continue avec 1792. Que s'est-il passé en 1792? On y va. 11 septembre, proclamation de la République. 11 septembre, proclamation de la République. Alors je regarde, oui effectivement, pour l'instant pas de problème, donc 11 septembre, bien sûr on l'écrit S-E-P-T-E-M-B-R-E, septembre, proclamation relativement facile, P-R-O-C-L-A-M-A-T-I-O-N, féminin pour votre information, les mots en sion sont des mots féminins. Et République, République, là on va mettre quand même une majuscule, la République, R majuscule, E accent aigu, P-U-B-L-I-Q-U-E. Voilà. Allez, la dernière date pour nous, ce sera 1793, une date un peu triste. 21 janvier, Louis XVI est exécuté. 21 janvier, Louis XVI est exécuté.
Alors, je vois que Sherilyn est en première position. Yossi est juste après. Annabelle, qui est très en forme, est là. Yulia aussi. Dénora est juste après. Ben écoutez, c'est formidable. Tout à fait. Regardez, janvier, ben vous l'avez bien écrit. J-A-N-V-I-E-R. Ensuite, est. Eh bien, c'est tout simplement le verbe être. Au présent, E-S-T. Troisième personne du singulier. Exécuter, X, E, accent aigu, C, U, T, E, accent aigu. Voilà, 21 janvier, Louis XVI est exécuté. Alors, attendez, petite question pratique, et ça c'est très important. Dites-moi si vous avez des difficultés à voir le texte en rouge sur votre écran. Vous dites oui. Vous avez des difficultés ? Non, vous n'avez pas de difficultés et je vais adapter la couleur pour les prochaines, pour les prochains cours. D'accord ? Avez-vous des difficultés à voir le texte en rouge sur votre écran ? Oui ou non ? Allez-y, s'il vous plaît. De 6 chiffres, si vous devez faire un chèque, c'est normal, Victoria. Allez, le futur simple de l'indicatif, puisque bien sûr c'est le thème de notre cours. On continue avec les verbes du troisième groupe. Et le verbe que nous allons maintenant découvrir, c'est le verbe conduire. Le verbe conduire, s'il vous plaît, donnez-moi je, tu, il, elle, on, au futur simple, allez-y. Allez, Renato qui nous quitte, au revoir Renato. Alors, Denise s'en va. Au revoir, Denise. Eh bien oui, il faut gagner sa croûte, hein, comme on dit. Allez, au travail, Denise. Alors ici, effectivement, c'est le même concept. Hein. Donc, ça n'est pas vraiment, vraiment complexe de faire ce futur simple puisque vous allez prendre votre infinitif. Vous allez retirer le « e » final. Vous obtenez votre radical « conduire » et vous rajoutez, comme d'habitude, les terminaisons « ai » pour « je »,« je conduirai ». « as » pour « tu »,« tu conduiras ». A pour il, elle, on, il conduira, elle conduira. Encore une fois, je conduirai, tu conduiras, il conduira, elle conduira, on conduira. Maintenant, s'il vous plaît, le pluriel, donnez-moi nous, vous, il, elle, au pluriel pour le verbe conduire. Alors, on avait effectivement un autre radical. Notre radical, c'était conduire, C-O-N-D-U-I-R. Ça, c'est clair. Et puis après, on va juste rajouter les terminaisons.
ONS pour nous, nous conduirons. EZ pour vous, vous conduirez. Et puis encore une fois, ONT pour il, elle au pluriel. Ils conduiront, elles conduiront. Donc ça, la totalité encore une fois. Je conduirai, tu conduiras, il conduira, elle conduira, on conduira. Nous conduirons, vous conduirez, ils conduiront, elles conduiront. Voilà, merci. Et on continue, deuxième partie, le français du Québec. C'est toujours des verbes, on va essayer de découvrir ensemble. Eh bien, ces verbes, on y va. Le premier, le voici, le voilà. Écoutons, écrivez l'infinitif des verbes, allez-y. Brûler. 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 Allez-y, s'il vous plaît, écrivez le verbe. Alors, on va le faire rapidement, hein, Chériline. Ne vous inquiétez pas, Chériline qui dit « Oh non, pas encore !» Ah, ben c'est intéressant. Et c'est le verbe « brûler ». Je dis félicitations. Brûler, pas de problème. Julia qui nous dit « une crème brûlée ». Ça, c'est pas mal. Une petite crème brûlée, c'est pas mal du tout. Allez, numéro 2, on continue. On ne va pas vraiment comparer maintenant. On essaye de comprendre. C'est ça qui nous intéresse. Attention, écoutez, écrivez. Couvrir, 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 couvrir. Allez-y. Alors, comment est-ce qu'il prononce ? C'est comme s'il n'avait pas de souffle. Ah ben, peut-être que c'est un homme qui fume, on ne sait pas. Le verbe, vous l'avez bien trouvé, c'était couvrir. Hein, couvrir, effectivement. On continue avec le troisième. Le troisième, le voici, le voilà. Descendre. Descendre. Descendre, 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 descendre. Allez-y, écrivez-le. Eh bien oui, c'était descendre. Regardez, vous devenez des spécialistes. Hein. Vous allez devenir des spécialistes en québécois. Et je dis bravo. On continue avec le numéro 4. C'est la même chose. Écoutez-le, écrivez. Donc c'est toujours un verbe. Nous sommes d'accord. Produire. 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 Allez-y. Produire.
Alors très bien, effectivement, hein, c'était le verbe produire, hein, le verbe produire. On continue avec le numéro 5 et ce sera le dernier pour cette série. Écoutez bien, c'est toujours des verbes et écrivez ce que vous entendez. Gagner, 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 gagner. Gagner. Allez-y. Alors, pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont un petit peu perdues, mais attendez, je vous le montre. Ouais, c'est gagner, gagner. Le A, vous remarquez qu'il est quand même relativement différent. On va juste prendre le temps. Donc moi, je le prononce A, ga, 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 gagner, d'accord ? Ga, 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 gagner. Pour Critter, ce n'est pas une voix électronique. C'est un homme, c'est un homme. Écoutons, écoutons cet homme qui n'est pas une machine. Gagner. Gagner. Et vous voyez que le A, il est quand même très 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 différent là. C'est pas un gagner, mais c'est vraiment un ga. Ga. Il est assez bas. Gagner. Et le mien, c'est gagner. Gagner, écoutez, on va comparer. Le mien, gagner. Le sien, gagner. Le mien, gagner. Le sien, gagner. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous allez devenir des grands spécialistes du québécois. Et je dis bravo. Et nous continuons avec, bien sûr, notre exercice. Écoutez bien, c'est un petit peu un exercice récurrent en ce moment. Comme d'habitude, on va essayer d'écouter des mots qui sont assez proches et vous devez trouver le mot que j'ai prononcé. J'espère que vous n'avez rien vu. On y va, je vais juste le prononcer une seule fois. Joue. Allez-y. Alors, jus d'orange, Renato, eh oui, un bon jus d'orange pour avoir des vitamines. Allez, on y va, regardons. Ah non, j'étais allé trop rapidement, excusez-moi. Voilà, le mot que j'avais prononcé, eh bien, c'était le mot « joue ». C'était le deuxième. Alors, la différence entre les deux. Regardons ensemble. Le premier, le S final n'est pas prononcé. Donc, vous allez uniquement prononcer le U, 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 vous mettez la bouche en trompette, U, comme ça, et vous avez un son qui est assez, mais étroit d'une certaine façon. Le deuxième, qui est beaucoup plus rond, regardons, c'est U, 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 joue, d'accord ? Le premier, jus. Le deuxième qui est très rond, votre bouche est très très ouverte comme ça. Ouh, joue, 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 joue. Le premier, jus. Le deuxième, joue.
Allez, on continue avec le numéro 2. Numéro 2, eh bien, regardons ensemble et je vais le prononcer une seule fois. Pour. Écrivez-le, s'il vous plaît. Chérilide, je viens de comprendre votre texte. Est-ce que c'était un message subliminal destiné à nous tromper? Mais bien sûr. Alors, regardons ensemble. Et ici, eh bien, c'était le deuxième que j'ai prononcé. C'était pour celui qui était très, 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 très rond. Pou, 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 pour. D'accord ? Alors, encore une fois, on va regarder ensemble. Je suis toujours obligé de regarder entre les deux écrans. Voilà. Le premier, c'est U, pur, pur. Et le deuxième que j'ai prononcé là, c'était pour. Pour. D'accord ? Le premier, pur. Le deuxième, pour. Voilà. Allez, on continue avec le troisième. Alors, Heavy 18, que se passe-t-il ? Ah, faites attention. J'ai cru... Je vais vous bloquer, sinon je ne veux pas bloquer les gens. Attention, attention, on y va. Je le prononce une seule fois. Sous. Alors, je regarde. Ouais, c'est très, très bien. Pas de problème. Donc ici, encore une fois, c'était celui qui est très, très rond. Ou. D'accord. On va faire la différence entre les deux. Le premier, regardons-le, c'est le U, su. D'accord. Souvenez-vous, un su, c'est le participe passé du verbe savoir. Hein, su. Et ensuite, le deuxième, eh bien, c'est le ou et c'est sous. D'accord. Donc, le premier, encore une fois, su, le deuxième, sous. Allez, on continue avec le numéro 4. Attention, écoutez bien, je le prononce une seule fois. Bulle. Alors, je vois que ça commence à arriver et c'est presque, presque parfait. Ici, nous étions à la recherche du mot bulle. Bulle, 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 bulle. Julia, how do you say bullying? Harceler. Totally disconnected from the English word. Bullying, harceler, c'est pas la même chose. Donc ici, c'est une bulle de savon, vous savez. Vous soufflez et il y a des bulles. Donc, on va le faire ensemble encore une fois. On y va. Le premier, U, bulle. Et le deuxième, ou, boule. Premier, bulle. Deuxième, boule.